Dans le dernier épisode, on a cherché toutes les CT qu'il fallait. Donc on est allé à Celestia pour voir la mamie, justement pour apprendre la meilleure attaque de type dragon. Nous l'avons eu, nous sommes allés voir le effaceur de capacité, celui qui rappelle les capacités, au centre commercial de Voila Rock, etc., etc. Nous avons tout fait, tous les Pokémon sont optimisés à peu près. Tous les objets, ils sont bien portés, il manque que les restes. On va le faire dans cet épisode-là, on va aller dans les grands souterrains, on va visiter un peu au passage. On va prendre de l'XP, il faut mettre nos deux Pokémon niveau 60, comme ça toute l'équipe est niveau 60, sauf Karchakrok, mais bon, il est un peu en dessous, mais ça va suffire largement. On est niveau 65 au maximum, on est plutôt bien, et après, League Pokémon, du coup, dans le prochain épisode. On est plutôt pas mal, non? Au niveau attaque. Attends, mais du coup, on m'a dit juste à droite. Bon, je pense on va descendre, et on va faire la zone. Je crois qu'elle doit être en bas, la zone, du coup. Bien sûr, là, on va faire du Pokémon, hein. Les Pokémon faciles, on va les faire. Autant faire quelques murs, hein. Attends, mais du coup, je vais remettre ma cam. Voilà, comme ça. C'est mieux comme ça, non? Parfait, on a un petit tesson. Bon, je sens qu'on aura que ça, hein. Non, mais c'est possible. Oh mais c'est là. C'est une statue ça en plus. Oh mais attends, ça va être un putain de truc ça. Oh non. Oh, c'est quoi ça? J'aurais pas assez. Oh non, à un coup. À un coup. Sphère rouge. Et c'est quoi le truc? Ah, j'ai eu peur. Attends, ça, c'est une putain de statue, je crois. Lucario en statue, ça fait plaisir. Oh, je peux te le dire, moi. Lucario en statue, mon pote. Ça rigole pas. On va faire quelques Pokémon. Si on en trouve des biens, on en fait quelques. Il donne beaucoup de XP. C'est que des Pokémon éclatés, ça. Ah, excellent que ça donne pas mal, je crois. On va faire excellent, il donne pas mal. On est une statue de Lucario, mon gars. Excellent, il me semble qu'il donne beaucoup d'XP. Après, le reste, c'est pas fou. Par contre, pour le tuer, ça va être un peu plus chaud, je pense. On va essayer Draco Météor, juste pour voir l'attaque. C'est au niveau 52, ouais. Juste pour essayer. Wow. Oh, il carré l'attaque. Par contre, ouais, ça baisse ma défense spéciale. Du coup, après utiliser la défense spéciale, on utilise Dracogriffe, qui est une attaque normale. Normalement, on peut le tuer. Parfait. On a la stratégie. On va faire comme ça. Ah, ça donne pas beaucoup. Oh, il a coup de jus. Jure. 80. Oh, parfait. Voilà. On a pile pas là. Non, non, la ligue, on l'a fait la prochaine fois, les gars. Là, on a fait... Alors, on a fini la route victoire, etc. On était devant la ligue, on a fait le combat contre le rival. Du coup, la prochaine fois, on fait la ligue. Et là, on cherche les restes. Donc, c'est une capacité... justement pour... face à un objet à tenir qui donne des PV à chaque tour. C'est plutôt pas mal. Socle carré, socle rond. C'est quoi, ça? Dracogriffe, justement. Écosphère, explosion, vibroscure, direct toxique, ok. Et après, ce qu'on a fait, c'est avoir toutes les CT, etc. Attends, Dracogriffe, il doit être par là, normalement. Les restes, il doit être par là. Non, là, que savoir, je sais qu'il y aura le Pokémon légendaire. Justement, je veux pas le Pokémon légendaire. Qu'un légendaire, on le fera tous ensemble. C'est ça que tu voulais me dire? Ah, mais par contre, il y a zéro Pokémon. Faut aller à la grande zone, je pense. On va aller à la grande zone pour avoir les restes. À mon avis, elle sera là. Attends, tant qu'à faire, j'en fais quelques-uns. Tant que ça nous régale en statue ou je sais pas quoi. Trois objets. Vas-y, faut avoir de la chance. Un gros tesson bleu. En soi, on n'est pas fan, mais bon. On prend.
avant de le casser complètement, on va juste voir les autres trucs. Dis-moi qu'il y a des trucs intéressants, s'il te plaît. J'aimerais bien voir un fossile, mais il n'y en a pas. Je galère à les avoir. Frère, je vais rien avoir. On va s'assurer celui-là, du coup. Attends, comment c'est possible qu'il y ait trois objets alors que... On voit rien. Ouais, c'est impossible. Non, les restes, ils sont pas au lac Savoir. Les restes, ils sont dans les grottes souterraines. Au lac Savoir, il va juste avoir... C'est quoi, c'est Créelf, non? Au lac Savoir. Les restes, ils doivent être dans une zone à droite, on m'a dit. Donc je pense qu'ils sont là-dedans, mais... Ce n'est pas plus que ça. Soit ils sont là, soit ils sont en haut. Caverne du glacier. Tiens, Monsieur Mime, ça donne beaucoup d'XP, Monsieur Mime, ou pas? Oh, il y a des liquides. Reste, voilà, enfin. On va prendre des liquides, on va l'attraper. Donc voilà, au moins les restes, ils sont bien là. Par contre, les liquides, c'est intéressant, ça. Je savais pas qu'il était ici. Niveau 51, putain. Lui, on l'attrape. Au cas où, un jour, il y aura un échange. Oh, ben merde. Oh merde. Les restes, je vais mettre à Pingouillon, je pense, du coup. Comme il est un objet un peu pourri. Par contre, le reste, non, c'est intéressant. S'il y a les liquides ici, en vrai, il y a vraiment des Pokémon de fou. On se rend pas compte. Donner. Ah mais... Objet. Donner. Ah mais non, mais ok. On va le prendre objet, je suis con. Remets dans le sac. Donner objet. Reste. Voilà. Ah mais merde, je t'ai pas... Bon, pas grave, je donne la carte à croc. Et liquide, je l'ai tué. Après, si moi j'ai liquide, vous l'aurez aussi. Je pense pas qu'il soit hyper rare et liquide non plus. Hein. À mon avis, il est même pas rare du tout. Je vais me faire soulever par contre là. Je me rends compte, j'ai fait un Monsieur Mime avec... Oh putain. Je vais me faire soulever de fou. Heureusement, j'ai les restes. Hein. Et ouais, je one-shot pas là. Ah si. Bénef. On va changer Karchakrok pour pas qu'il meure. 1700. Ça régale toujours. Attends, mais du coup, je suis trop con. J'ai enlevé. J'ai dit penser. J'ai enlevé le. Comment ça s'appelle? L'objet là qui double. 9 chances, voilà. On va lui redonner 9 chances. Je suis trop con. Voilà. Et reste, j'ai dit, je vais donner à Pingouillon. Débile. Voilà, là on est parfait. Là en vrai je sais plus quoi faire comme comme amélioration. Juste on va faire ça. Et j'ai dit que je changeais, on va mettre Corbos. Voilà. Au moins s'il meurt c'est pas très grave. On va faire... Je pense qu'on va faire tous les Monsieur Mime. Monsieur Mime ça donne beaucoup d'XP. Je regarde juste un peu s'il y a d'autres Pokémon un peu atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir quoi. Pas d'autres hein, je crois. Vas-y maintenant go monter niveau 60. Car chaque croc s'il n'est pas niveau 60 c'est pas très grave après. Il sera pendant la ligue. Hein. Il y a tellement de combats à faire qu'il sera forcément niveau 60 pendant la ligue. Donc on va vite se rattraper. Par contre s'il me fait une attaque psycho ou quoi, je suis dans la merde. Bien fait. Pas du tout ma merde, je suis ténèbre, j'avais complètement oublié. Pour liquide, oh, c'est pas grave liquide. Mais liquide, je pense qu'il est pas rare du tout. Si moi je l'ai eu, il est vraiment pas rare liquide. Là le but c'est vraiment XP de fou, du coup on fait juste les Monsieur Mime. Juste pour avoir Jirachi niveau 60, Kuatok niveau 60. Et c'est tout. Et après, ah ok, après ouais je reset la zone, t'inquiète. C'est quoi, c'est... Je crois que c'est plus fort tricherie que Vibroscore. Hein. Moi je crois que c'est plus fort tricherie que Vibroscore.
putain. Et frère, on me one shot. On me one shot beaucoup trop facilement, c'est abusé. Oh, je suis dégoûté. Dégoûté. Bon, on va le finir avec Jirachi. Hein. Heureusement qu'Orbos n'était pas XP. Oh, météore. Nickel. Au moins, il a double XP. Je pense qu'il a passé niveau 60 là. Attends, du coup, faut que j'échange. On va faire échanger, on va mettre Jirachi en premier, on va faire que des points météores, ça ira beaucoup. Voilà. On va faire le dernier monsieur mime, et après on reset. Hein. Au moins on aura fait quasiment tous les Pokémon ici. Dis-moi que je le one shot au moins. L'avantage c'est qu'ils sont niveau 53, ils sont plus forts que les dresseurs que l'on voit sur la route victoire, c'est abusé je trouve. On est vraiment en train d'XP avec des monsieur mimes là. Après ils donnent quand même presque 2000 XP, c'est pas mal. Hein. Attends, et ici j'ai pas vu s'il y a des Pokémon à droite. Y'a personne. On va reset la zone. Attends, mais elle est où la porte? Elle est pas là. Encore au moins 5-6 Pokémon, après je pense on arrête là, non? Ouais, je crois que j'ai loupé la sortie. En fait, je lisais le chat en même temps, c'est pour ça que j'ai loupé la sortie. Niveau 58. Ça va, encore 2 levels. Je reset la zone. Est-ce qu'il y a encore des Elekid ou pas? Pour savoir s'il est vraiment rare. Oh non, putain, il y a des Archéomir. Busy. Ça change, hein. Busy. Il y a des Monsieur Mime ici, on va les faire. Attends, mais Elekid, il était peut-être vraiment rare. Ok, Elekid, il était vraiment rare pour le coup. Parce qu'on a, on n'est pas... Attends, mais en même temps, Elekid dans un truc glace. Je viens de capter. Normalement, il n'y en a pas des Elekid dans un truc glace. Oh non. Mais au moins, on sait qu'il y a Elekid, quoi. Juste, faut, je sais pas... Soit faut avoir le dernier badge. Je pense avoir le dernier badge pour avoir Elekid parce que... le dernier badge, c'est un badge électrique. Donc, à mon avis, il y a un petit lien entre les deux. Donc, si vous voulez liquide, ayez le dernier badge, quoi. Allez, un niveau 60. On va faire le deuxième niveau 60. Ça, ça sera bon. Rip, hein. De toute façon, il faut un échange pour le faire évoluer après. Après, il était niveau 51. C'est ça qui était pas mal, hein. Même si j'attrape un Pokémon et que je vous l'échange, il sera directement niveau 51 si vous commencez le jeu. Voilà quoi. Commencer le jeu avec un niveau 51, c'est un peu chaud pour vous. Enfin, ça sera beaucoup trop facile. Vous êtes niveau 10 toute l'aventure quasiment. Pour tout, pour les 5 badges, les 5 premiers badges, vous êtes moins que niveau 30. Donc l'écart est trop gros. Par contre, Jirachi, en vrai, il est vraiment cheaté. Si tu apprends les bonnes attaques, il est vraiment cheaté. Après, j'ai niveau 60 aussi. Mon équipe, je trouve, elle est vraiment équilibrée pour le coup. Je vois pas de grosses faiblesses. Il manque peut-être un Pokémon feu ou un Pokémon plante dedans. Mais il n'y a pas de grosses faiblesses non plus. Elle est assez complète. Je peux tout gérer. En soi, je peux tout gérer. On verra bien devant Cynthia comment ça va se passer, mais... En vrai, je suis plutôt optimiste, hein. Je pense qu'on va bien la réussir. Mm-hmm.
Parfait. On verra si vous voulez que je vous échange des Pokémon et tout, on verra plus tard. On verra après l'aventure. De toute façon, il reste plus que la ligue Pokémon. Et en vrai, il manque plus beaucoup de choses. Hein. On a quasiment tout fait. Le plus si je le fais pas, il y a trop peu d'XP à prendre. Trop éclaté. Archéomir, c'est le pire Pokémon, je vais pas le voir. Ah si, non mais... Après la ligue Pokémon, il y a quoi? Il y a juste les zones combat, etc. Je pense au nord, il y a quelque chose à faire. On fera tout ça dimanche du coup. Hein. On fera peut-être quelques combats, etc. dans la zone combat. Après, il y a la zone détente, etc. Faudra quand même visiter. Je pense que ça va être pas si mal que ça. Je vais faire un dernier Monsieur Mime, mais après, je me pingolion devant. Et après, on va s'arrêter pile devant la ligue Pokémon. Oh, il y a un Altaria. En ce moment, en jeu Nintendo, non, je fais rien. Je fais que Pokémon en ce moment. En jeu Nintendo, pas vraiment, je suis plus sur du Supercell après. Donc du mobile ou quoi que ce soit. On verra après par la suite, hein, franchement. Chaque chose en son temps. Après, ouais, c'est surtout... Il y a Minecraft qui va revenir après. Sur la chaîne. Après, ouais, j'ai recontinué Clash Royale, que j'avais un peu arrêté. Et après, je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop. Il n'y a pas de liquide là. Je vais reset la zone une dernière fois pour voir s'il y a liquide. S'il n'y est pas, je laisse tomber. Ah, toujours à droite. À droite, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien à droite? What? Normal, il n'y a pas de Pokémon là? Attends, c'est normal, il n'y a pas la... Il n'y a pas de Pokémon. Comment ça? Oh, le bug. Le bug qu'on se met. Ah là, c'est bon. Allez, dernier Monsieur Mime. Mais par contre, Eligi, je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. En avant, le taux de drop. De toute façon, regardez le taux de drop, il y a tout marqué à chaque fois. Parce que j'ai pas bien compris comment ils apparaissent les Pokémon. Pour le coup. Donc faut vraiment regarder le taux de drop, comment il apparaît, où on débloque les Pokémon et quand il les débloque surtout. Pour faire les gros souterraines, parce que si vous avez pas ça, compliqué, parce qu'au premier badge, on n'a pas beaucoup de Pokémon. Et je sais pas si on perd les Pokémon à chaque badge que l'on a, ou pas. Parce que le problème, si au premier badge, on a des Pokémon qu'on peut plus avoir au dernier badge, franchement c'est problématique. Hein. Un peu problématique pour le coup. Juste un dernier Monsieur Mime, il me faut le niveau 60. Je sais qu'il y en a à droite, mais on va essayer de monter pour voir ce qu'il y a là-haut. Il n'y a que des Archéomir ou quoi? Blizzy, Blizzy. Je crois que j'ai vraiment eu une chance. Hein. J'ai pas le lien après. Faut regarder sur internet, vous marquez le lien grotte souterraine, etc. Moi en soi, je m'en fous. Je faisais juste ça pour jouer. Hein. Luminocanon. J'ai jamais fait Luminocanon, on va voir comment c'est. Oh, je one shot même pas. Oh, j'ai trop le seum. Mon Jirachi le one shot. Et on pas mon Pangolion. Jirachi est plus fort que Pangolion, ça veut dire. C'est honteux. Dis-moi qu'il me le tue au moins. S'il te plaît. Ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il doit manquer, ouais, 2000 XP, je pense. 2000 XP, pourquoi, Tox? On aura fini. Archéomir, dégage. En fait, je veux mon niveau 60, c'est pour ça. Je veux mon niveau 60 avec Quatox. C'est pour ça. Du coup, l'équipe... prochaine fois, on va faire... on va faire la ligue, prochaine fois. Du coup, l'équipe, elle est au complète. J'ai Pangolion, Quatox, Corbos, Karchakrok... Lucré et Jirachi en équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On vient de faire les attaques avec quoi comme attaque. On a mis tous les objets bons comme il fallait, etc. pour la ligue. Maintenant on va voir si on va la gagner ou pas quoi. En vrai ça va, je suis assez confiant. Hein.
Je pense pas qu'on la perde. C'est vrai que je pouvais donner les super bonbons. Les super bonbons, j'ai pas envie de les donner maintenant. Parce que le conseil 4 en soi, il est facile à battre. Il y a juste Cynthia. Du coup, j'ai donné avant Cynthia les bonbons, les super bonbons. Je vais faire comme ça. Du matchmaking, c'est-à-dire du matchmaking entre nous. Non, je crois pas qu'il y ait de matchmaking. Oh, il y a de nouveaux Pokémon. Ah, Laporeille, super. Ah, peut-être une équipe est là. Il y a que du Laporeille ou quoi? Dégage. Luxray, Luxray. Moi, je dis Luxray. Attends, mais comment ça, il n'y a plus de Monsieur Mime? Ah, j'ai cru que j'avais exterminé tous les Monsieur Mime de la région, là. Ah, online, bah, faut... si on a une Nintendo Online, oui, tu peux faire. Moi, je l'ai pas, en tout cas. Mais sinon, oui, sur le jeu, il y a du matchmaking. Tu peux faire des échanges pour les Pokémon qui peuvent pas évoluer tout, ça peut être pas mal pour toi. Non, en vrai, il y a pas mal de fonctionnalités. Hein. Moi, j'aime bien, perso, les remakes. Attends, mais vous dites comment, Luxray? Luxray, vous dites? Ah, vous dites en anglais? Niveau 60, enfin! Karchakrok, du coup, il passera à niveau 60 prochaine fois, quoi. Non. Non. Il m'a fait peur. Non, mais je vais remonter, moi. Parfait. On remonte, on va à la Ligue Pokémon. Vous dites Lu ou Lou? Tous les deux jours, les lives. Ouais, tous les deux jours, les lives, et après, voilà, quoi. Et après, il y a les rediffs de live, du coup, sous forme d'épisode sur la chaîne. Où vous avez tout. Après, tu peux regarder tous les jours, il y a quoi? Il y a 2-3 épisodes, souvent, en vidéo. Du coup, ce qui s'est passé pour, bah, pour tout mettre, il y a toute l'aventure. Voilà, on peut s'arrêter là. Lousserai, perso, mon écriture, ça change rien. Ok, ouais, vous le dites en façon anglaise, c'est juste ça. Voilà, on peut s'arrêter pile devant. Prochaine fois, on sait ce qu'il nous reste à faire, quoi. On sait ce qu'il nous reste à faire. On va s'arrêter là. On sera pas mal. On a 142 dans le Pokédex, il nous manque 11 Pokémon. Du coup, les Pokémon légendaires, quoi. Les Créelf, Créfalé... ouais, Créelf, Créfadé, Créfolé. Il nous manque que ça. On aura fini. On est plutôt bien, quoi. Enfin, il nous manque plus que la Ligue Pokémon. J'espère que cet épisode vous a plu. On a fini complètement. Donc, prochain live, la Ligue Pokémon, sans faute. Et là, ça va être assez tendu parce que faut le passer direct, sans rappel, sans rien. On va essayer quand même. Même si Cynthia, ça risque d'être plutôt chaud. Elle n'est pas si nulle que ça. Mais le conseil 4, ça devrait passer largement, je pense. Juste Cynthia. On va essayer d'utiliser le moins d'objets possible. On verra bien comment on s'en sort. Et après, on visitera sûrement le lieu qu'on a débloqué. Donc, c'est la zone combat, l'air détente, etc., etc. Vous verrez bien au prochain live, tout simplement. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à Periado. Mets le j'aime, sinon je m'appelle Ghislaine. Va sur tous mes réseaux. Je veux plus rouler en vélo, mais je veux habiter à Monaco. Donc va dessus devant la description.